Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regrouper les questions après, parce que, qu'on soit sûr de. Parce qu'il y a un deadline, c'est 17 heures, hein, moi, j'en parle. Je pense qu'on a largement le temps pour voir les différents PowerPoints. Hein? Donc, voilà. Donc, Michel Coletti va se présenter, va prendre la parole, et en 15 minutes, va nous dire un peu ce qu'il pense de toute cette histoire. Alors, bon ben je remercie Philippe et surtout je tiens à l'encourager parce qu'il mène un combat permanent, pénible, prolongé. Il a du courage, il a la rage de vaincre. Bravo. Parce que des comme lui, il en faut, quoi. On est peu nombreux, mais il y en a quelques-uns. Alors, il m'a demandé de venir témoigner, parce que moi je suis généraliste, mais j'ai quand même une certaine expérience du médicament. D'abord parce que je suis généraliste depuis 35 ans, mais dans une vie antérieure, j'ai été pharmacien pendant 10 ans, et après j'ai fait médecine. Donc, je suis arrivé dans la médecine avec déjà un bagage solide sur le médicament. Et puis j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai entendu, et je me suis informé, j'ai lu. Et puis grâce à Internet, j'ai appris des choses, quoi. Alors je commence par déclarer mes liens d'intérêt. Et les liens d'intérêt, ils ne sont pas seulement financiers, hein. On peut avoir, quand on est tous anciens X ou anciens Minpon, on a des liens d'intérêt qui ne sont pas forcément financiers, hein. Il n'y a qu'à voir le nombre d'énarques au gouvernement. Ils ne s'achètent pas les uns les autres, mais enfin, on sent qu'il y a des liens d'intérêt psychologique. Par contre, là où je suis très clair, c'est vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, de près, de loin, directement, indirectement. Je les regarde de loin, mais ma cuillère n'est pas assez longue pour aller dîner avec eux. Et je sais que de toute façon, ils sont beaucoup plus forts que moi. Donc je les observe, mais je n'accepte rien d'eux. Et puis voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait des trucs, quoi. Bon. Ça remonte à 62, hein. C'est l'année où j'ai commencé pharmacie. J'en ai vu des choses. Et ça, c'est le plan de ce que je vais vous dire. Mais il y a des moments où je vais accélérer, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Philippe. Alors, il faut d'abord, qui suis-je et au nom de quoi je parle? Eh ben, moi, je suis généraliste à Viroflay, à côté de Versailles. Ben, il se trouve que je comprends l'anglais médical et puis que je voyage assez régulièrement à l'étranger, en particulier au Québec. Ce qui permet d'avoir toujours le point de vue de l'extérieur sur la France. Il y a une année, c'était il y a 2 ans, je crois. Oui. J'étais en Suisse et je tombe sur un journaliste de la Tribune de Genève. Qui dit, ah ben dites donc, en France, vous êtes vachement balèze, parce que entre le Lucentis et l'Avastin, on vous interdit d'utiliser le médicament le moins cher et on vous recommande d'utiliser le médicament le plus cher. Alors nous, en tant que Suisse, ça nous arrange, mais il se passe quand même de drôles de choses chez vous. Alors, mais comme source d'information, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai les patients. Les patients, c'est ma première source d'information. Et il se trouve que je soigne à la longue, le bouche à oreille a dû fonctionner parce que je soigne pas mal de salariés de l'industrie pharmaceutique, en général des gens qui en avaient ras-le-bol, quoi, et qui avaient besoin de se confesser auprès de quelqu'un qui pourrait garder le silence. Comme il n'y a plus de curé, bah, c'est moi. Je soigne beaucoup de visiteuses médicales, évidemment, je n'en reçois aucune. Et la première qui est venue m'a dit, je lui ai dit, mais attendez, vous faites de la visite médicale, pourquoi vous n'allez pas voir les médecins que vous connaissez? Elle m'a dit, oh, se faire soigner par ceux qui me reçoivent, franchement, j'ai pas envie de prendre de risques avec ma santé. Et puis, grâce à Internet, on peut voir des tas de choses sur l'Agence du médicament, sur la Haute Autorité de Santé, sur les rapports de ci, de ça, à gauche, à droite, quoi. Alors, il suffit de lire, parce que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est publié, c'est écrit, mais ça n'est pas diffusé largement, parce que on va comprendre pourquoi tout à l'heure.
Et puis, je ne regarde pas seulement les sources françaises. Moi, j'aime bien aller voir aux États-Unis. Par exemple, il y a une petite source qui m'amuse beaucoup, c'est le ministère de la Justice américaine. Où là, tout à l'heure, je vous le montrerai rapidement, on voit les condamnations des laboratoires pharmaceutiques pour diverses raisons. Puis tout à l'heure, je vais vous montrer le montant des condamnations. Ça rigole pas. Parce qu'il y a une différence entre la France et les États-Unis. En France, nous avons la présomption d'innocence et l'accusé a le droit de mentir de manière éhontée. Vous savez, au tribunal, lever la main droite et dire « je le jure », ça c'est pour les témoins. Mais l'accusé, non. Lui, il peut absolument dire ce qu'il veut. Donc l'industrie pharmaceutique en France a le droit de dire ce qu'il veut, on ne peut pas la poursuivre pour ça. Aux États-Unis, c'est pas ça. Vous vous engagez à pas tuer le président de la République, vous faites une tentative d'assassinat, alors vous risquez d'avoir 30 ans de prison parce que vous avez fait une tentative, mais vous risquez d'avoir 250 ans de prison parce que vous avez menti, parce que vous aviez dit que vous n'alliez pas le faire. C'est différent. Bon, et puis ensuite, je suis quand même abonné à des revues papier, la revue médicale suisse, parce que c'est la seule revue de médecine générale que j'ai trouvée qui était à peu près potable, évidemment la revue Presse Rien. Et puis j'écoute mes copains médecins et les Québécois. Alors ce qui m'a intéressé dans le vaccin d'aujourd'hui, les vaccins, les deux, c'est l'environnement du vaccin. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Quels sont les acteurs de cette pièce de théâtre, de cette tragédie qui est en train de se jouer? Qui tourne autour du vaccin? Quels sont les intervenants? Alors il y en a plein, hein. Alors je vous ai mis les politiques, parce que eux, ils prennent des décisions, hein, la législation. Vous avez le droit de, vous n'avez pas le droit de. Et puis, il y a des décisions que je qualifierais d'adaptées aux circonstances. Bon. Et puis, il y a les agences officielles, l'Agence européenne du médicament, European Medicines Agency, l'ANSM française et les autres, la HAS, la DGS, etc., les agences. Et puis, il y a la Sécu. Qui paye? Et tout à l'heure, j'insisterai un peu là-dessus. Quel est le rôle de la Sécu dans cette histoire? Ils payent avec nos cotisations. Ils nous piquent la moitié de notre salaire tous les mois. Les salariés le savent fort, heureusement, parce qu'ils font la distinction entre cotisation patronale et salariale. Ouf, ils n'ont pas l'impression qu'on leur pique la moitié de ce qu'ils gagnent tous les mois. Heureusement, sinon, ça pourrait faire du bordel. Il y a l'université avec l'enseignement, les hôpitaux où ont lieu les expérimentations, évidemment les firmes pharmaceutiques. Et puis, alors, il y a un truc très important, c'est ce que les Américains, les key opinion leaders, les leaders d'opinion. C'est-à-dire ceux qui font... que tout à l'heure, on a vu, là, dans les congrès, on a intérêt à inviter les leaders d'opinion. Il y a des gens comme moi, les prescripteurs, il y a les patients. Et tout ça, ça fait du monde, quoi. Alors, je vous fais un rappel très, très court sur le parcours du médicament. Pour commercialiser un médicament en France, il faut d'abord qu'il ait une autorisation de mise sur le marché, qui peut être décidée soit au niveau européen par l'EMA, soit par la commission qui se range toujours aux avis de l'EMA, et soit au niveau français par les politiques. C'est-à-dire que l'agence du médicament va proposer une autorisation de mise sur le marché, mais c'est la décision de le faire ou de ne pas le faire à les politiques. Hein, c'est le ministre. Ensuite, une fois que le médicament a son AMM, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a la commission de la transparence. Pour avoir l'AMM, il suffit de montrer qu'on est un peu mieux que le placebo, et encore pas toujours. Et la commission de la transparence, la deuxième commission après l'AMM, elle compare les médicaments, le médicament nouveau, aux anciens médicaments. Est-ce que c'est comme ce qui existe déjà? Est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que c'est un progrès thérapeutique majeur? Voilà. Et met une note. 1 pour la thérapeutique majeure, 2, 3, 4, 5. 5, c'est une photocopie. Mais quand même, on a le droit de commercialiser. Et puis arrive la troisième étape, le fric. Ah, il faut bien que le médicament, il faut qu'il ait un prix. Hein. Alors, dans les deux premières commissions, l'AMM, la commission de l'AMM et la commission de la transparence, il y avait des médecins, des pharmaciens, des professionnels de santé. Mais alors, dans le comité économique des produits de santé, le COPS, terminé. Là, ça se passe entre marchands de tapis. Hein, il y a le représentant du ministre, il y a le représentant de la Sécu, les, enfin ils sont une quinzaine, hein, mais je vous cite la banque des quatre, comme on disait autrefois chez Mao. Il y a la Sécu, le représentant du ministre, le labo, et puis dès qu'il y a des questions d'argent, il y a toujours Bercy, hein, qui est là. Voilà. Et on discute, et essayez d'avoir les motifs, tiens, il n'y a pas. Parce qu'il est prévu, alors je vous passe les références au texte de loi, il est prévu que ces gens-là sont tenus au secret le plus strict. Et ils n'ont pas le droit de dire, d'expliquer, etc., sauf à leur hiérarchie par le haut. En tout cas, nous, que dalle. Alors pourquoi ce vaccin, il vaut 140 euros, ou 120, ou 18, personne ne le saura jamais. Donc ça, je vous rappelle les niveaux d'amélioration, c'est-à-dire que quand un médicament est beaucoup, beaucoup mieux que ce qui existe déjà,
il a la note 1. Et quand le médicament est une photocopie de ce qui existe déjà, il a la note 5. Alors, il y a une petite différence entre 3 et 4, parce que 4, 5, vous tombez en enfer. Vous avez un mal fou à vous faire rembourser. Enfin, moi, je me mets à la place du labo, hein. Je me parle en tant que labo. Donc, moi, en tant que labo, je vais me battre comme un fou pour surtout être 1, 2, 3, mais surtout pas tomber dans le 4. Voilà. Et donc, là, comme vous dites, le 3 est au milieu, c'est vraiment une question de pression et de discussion. Allez, mettez-moi du 3. Ah non, je peux pas. 4, bon. Alors, quand l'ancien président de la commission de la transparence pourra parler, ce que j'espère un jour, parce que Gilles Bouvenot, le hasard de la vie, il y a 20 ans, je l'ai rencontré, c'était pas du genre à se laisser rouler dans la farine. Et donc, dans les avis de la commission de la transparence, vous aurez toujours deux parties, enfin, du temps qu'il était président, parce qu'en même temps, il n'est plus depuis cette année, vous aviez toujours, oui, hein, bah, ça apporte quelque chose quand même, quoi. Hein. Et puis, trois paragraphes plus loin, mais dis donc, mais c'est une merde, ce médicament. Donc, ça montrait bien quand même qu'il ne se laissait pas complètement faire. D'ailleurs, bon, c'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire du guerre d'Asie. Alors, le premier mensonge, le grand mensonge de l'industrie pharmaceutique, c'est de faire croire qu'il y a des progrès. Alors, qui, vous comprenez, on paye la recherche, on trouve des nouveautés, c'est formidable. Et donc, évidemment, pour pouvoir financer la recherche, on a besoin d'argent. Et évidemment, bien sûr, nous vendons des médicaments qui ne valent pas grand-chose, mais ça nous fait gagner des sous, ce qui nous permet de faire de la recherche. Mais si on commence par dire la vérité, c'est que vous ne cherchez plus. Ah, alors là, la justification de le revenu commence à tomber. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je vous ai simplement mis la dernière publication, c'était pour l'année 2012. Le progrès thérapeutique majeur, c'est ASMR 1. Aucun. Les photocopies de ce qui existe déjà, ASMR 5, il y en a 88%. Alors, je vous rappelle que ces 183 nouveaux médicaments n'ont rien à foutre sur le marché, puisque ce ne sont que des reproductions de ce qui existe déjà. Alors vous imaginez le temps passé, le gaspillage, les réunions, les comités, les dossiers, les essais thérapeutiques. Il y a des malades qui sont inclus dans ces essais. On fait des expérimentations pour rien. Ça coûte une fortune morale, psychologique, financière. C'est affreux. Mais c'est la loi. C'est permis. On a le droit de commercialiser un médicament identique à celui qui existe déjà. Et puis tout à l'heure, je vous dirais même... C'est encore mieux. Maintenant, on a le droit de commercialiser un médicament moins efficace que ce qui existe déjà. Il fallait le faire. Alors, le garde-asile, vous voyez, 2006, hein, il est passé à la transparence. Alors, la transparence a dit, écoutez, votre truc, il ne vaut pas grand-chose, quoi. C'est pas un progrès, c'est que dalle. On vous met à SMR 3, parce qu'on a tellement de pression sur notre gueule qu'on est obligé de mettre à SMR 3, mais on va pas mettre 4. Sinon, ça va faire un scandale politico-judiciaire. C'est pas possible. Alors, on vous met 3. OK. Alors on a mis 3, mais attention, Bouvenot qui était là a dit, attendez, moi je viens vous coller 3, mais on va ajouter tout ça. Hein. Efficacité, 0, durée de protection, on n'en sait rien, immunité, évaluation, voilà, tout ça, rien. C'est ce qui a déjà été dit. Et puis alors on rappelle que quand même, il faut faire des frottis, quoi. Et puis il n'y a pas tous les virus oncogènes. Et alors elle dit, voilà, elle insiste, donc la commission de la transparence a insisté pour dire, écoutez, non. Alors au début on dit, oui, peut-être bien, puis après elle dit non. Voilà. Alors ben, lui, le malheureux, lui, il n'a pas eu de bol, parce que le concurrent, il est arrivé après, et comme il a été comparé à l'autre, boum, il est tombé dans le 5. Ben oui, mais s'il était arrivé avant, ben, il aurait eu 3, quoi. Bon. Mais ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, le pognon, il l'a eu aussi, alors, même avec 5. Autrement dit, on apporte un truc qui n'apporte rien du tout, mais bon. Alors, comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel est l'environnement autour du médicament? Qui fait quoi? Et dans quel sens? Et comment? Alors, le Haut Comité de la Santé publique. Ah! Alors, il ne faut pas hésiter, hein, faut les vacciner, les filles, hein, entre 11 et 14 ans. 2 500 000 sujets pouvant bénéficier, j'aime beaucoup bénéficier de la vaccination. 2 500 000 sujets. Moi, j'aime bien Saint-Pé, vous allez voir pourquoi, le dessinateur. Et puis, alors, à terme, alors attention, 400 000 sujets par an, à 100, quoi, 40 euros, je ne sais pas combien, la dose. 370 euros. Voilà.
sans Alors, si on revient à 2500 plus 400 000 par an, voilà, moi, ce que je pense. C'est du foutage de gueule, quoi. Bon. Alors ça, on en a parlé, le cancer, c'est pas le problème, il faut frotter, quoi, c'est tout. En gros, ce qui est du bon sens, la jeune fille, si elle a une vie sexuelle normale, qu'elle collectionne pas trop les copains, elle lui demande de mettre un préservatif, et puis ensuite, quand elle avancera dans la vie, elle fera des frottis régulièrement. D'ailleurs, je vous signale que si on fait des frottis à toutes les filles de 22 ans, des papillomavirus, on en trouve, hein. Elles en ont toutes. Mais la même fille, 3 ans après, on fait un frottis, elle a plus. Elle l'a démoli, son virus. Elles sont fermées à la nature. Elles les tuent elles-mêmes, les virus. Bon, voilà. Allez, on continue. C'est comme les panneaux. Alors, les autres pistes, en dehors des gens qui poussent à la consommation, comme le Haut Comité de la Santé publique. Alors, voilà, nos chers politiques, là, ils nous autorisent le droit de commercialiser moins les médicaments. Alors, les NACO, ça veut dire c'est les nouveaux anticoagulants. Pour éviter les phlébites, les embolies pulmonaires, vous avez besoin d'un anticoagulant. Eh bien, ils ont autorisé des anticoagulants comprimés qui sont, attention, 9% moins efficaces que l'anticoagulant de référence. C'est-à-dire qu'il va y avoir 9% de plus d'embolies pulmonaires. Ça gêne personne. Mais vous comprenez, c'est quand même mieux. Ils n'ont pas besoin de se faire faire un taux de prothrombine à INR. Ils prennent que des comprimés. D'ailleurs, alors moi, déformation pharmaceutique, quand j'ai vu ça dans la presse, j'ai dit, alors réfléchissons, un comprimé par jour, le mec fait 180 kilos, c'est un par jour, la fille fait 37 kilos, un par jour, ça choque personne. Ensuite, les agences de régulation recrutent des experts. Ben oui, mais les experts, ils ont des conflits d'intérêts. Et moi, qui ai traîné dans les couloirs... Ce qui traîne dans les couloirs, c'est un expert sans conflit d'intérêt est un expert sans intérêt. Et moi, j'ajoutais toujours à celui qui m'a dit ça pour les firmes, mais pas pour l'agence. Parce que, est-ce que vous avez besoin d'être expert sur la liaison oxygène-hydrogène et sur la liaison sodium-chlore pour savoir si une eau est salée ou pas salée? Pas besoin d'être expert là-dessus, sur les liaisons atomiques. Bon. Alors, les agences ont un souci, c'est l'entreprise. Voilà, c'est tout. Le malade, on s'en tape, quoi. J'étais à une réunion il y a un an et demi, en janvier, sur la pilule de 3e-4e génération. Il y avait une réunion, il y avait des sages-femmes, des médecins, il y avait monsieur Joseph Emmerich, qui présidait la réunion, moi je cite des noms, je m'en fous, qui présidait la réunion, et on lui dit, les pilules de 3e-4e génération tuent des femmes chaque année pour rien. Il existe des pilules qui ont autant de capacités contraceptives. Ils font moins d'embolies pulmonaires, moins de phlébites. On va tirer du marché les... Oh, on ne peut pas, c'est l'Europe. Facile, hein. C'est l'Europe. Bien sûr. C'est vrai qu'ils avaient une AMMA européenne. Mais en cas de panique, il est prévu dans les textes qu'en cas de panique sanitaire, un pays peut dire, hey, hop, je ne marche pas. D'ailleurs, les firmes pharmaceutiques ne s'emmerdent pas pour aller au niveau européen ou même aller monter au Conseil d'État. Il hein. y a un médicament dangereux, hop. Bon. Alors, la Sécu. La Sécu, ça me pose un problème. Et les journalistes n'en parlent jamais. Le rôle de la Sécu. Elle siège au comité économique des produits de santé qui fixe les prix. Pourquoi elle dit rien? Pourquoi elle ne peut pas appliquer le TFR? C'est le tarif qui permet de rembourser 3 médicaments identiques à des prix différents au prix le plus bas. Pourquoi elle ne l'applique pas? Bon. Et la Sécu Pro dit, vous savez, il faut substituer. Hein. Et voilà un médicament, le phénofibrate, qui sert à rien du tout. Et la Sécu dit, il faut substituer. Alors la Sécu, elle est peut-être sous tutelle. Mais quand la Sécu va emmerder les médecins, elle ne se gêne pas. Quand la Sécu dit l'antibiotique, c'est pas automatique, elle fait une sacrée propagande. Hein. Pourquoi elle dit pas la vaccination, c'est pas automatique? Alors quand on pose la question à Rocky, à Frédéric Van Roggenheim, il dit, vous comprenez, au CEPS, nous n'avons pas la majorité. Je dis, mais attendez, quand vous voulez l'ouvrir, vous l'ouvrez. Hein. Quand vous voulez des interviews, vous pouvez le faire. On continue. On va aller vite. Alors, à la faculté, moi j'ai été responsable du département de médecine générale de Bobigny pendant des années, et j'ai vu comment se passait l'enseignement sur les médicaments. Il y a de quoi se marrer. Alors là, vous lisez, hein. Dès qu'il est question de pognon, c'est rien. Pas vu, pas pris. Allez, on continue. Alors, parlons pas de la formation médicale continue sponsorisée par les labos. C'est devenu... tout le monde sait. Allez, on parle. Les hôpitaux. Alors, il y a eu un rapport de l'IGAS. Les médecins chefs de service hospitalier, ils gagnent combien?
Aïe. Alors, ils ont leur salaire d'enseignant, ils ont leur salaire de prof, ils ont leur revenu de libéraux privés à l'hôpital. Et puis, ils adhèrent à des associations de 1901 dont le siège est à l'hôpital. Et ces associations, elles sont payées par l'industrie, subventionnées grassement par l'industrie pharmaceutique. Et l'IGAS a dit, moi je ne peux pas aller voir dans les associations de 1901 qui gagnent quoi et combien. Dans le rapport, il y a quand même un expert pour ça dans l'université qui fouette son salaire. C'est dans le rapport. Voilà. Bon. Alors maintenant, je me mets à la place du labo. C'est vachement simple d'être dans un labo. Vous voulez faire quelque chose. Combien ça rapporte, combien ça coûte et qu'est-ce que je risque ? La France, c'est formidable, on risque rien. Ouais. Bon, rien du tout. Vive la France ! Ouais, en tant qu'industriel, je suis très content. Alors, moi, je vais pas. Je vais essayer d'aller encore plus vite, mais ça, c'est facile. Si je devais recruter, moi, en tant que PDG d'un labo, si je devais recruter un jeune, je lui dirais, écoutez, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis après, les facteurs sur lesquels on va jouer, hein. Bon, allez, on passe. Et puis, alors, il faut gagner du fric. Alors, comment on fait ? On cherche la niche. Le cancer, ça, c'est bon. Parce qu'en plus, les malades, ils sont mal barrés. Alors, à 15 jours près, en attendant, si on peut leur fournir un traitement qui va coûter 10 ou 15 000 euros, hein, allez, on va pas se gêner. Et les vaccins, c'est bon, les vaccins. Le résultat, on verra plus tard. Bon. Et puis, quand on veut vraiment gagner du pognon, on conclut une entente avec l'autre. Alors, l'Italie, pas bon pour les labos, quoi. 1,2 milliard d'euros. Aïe, pour ces deux médicaments-là. Alors, vous voyez la différence de prix. Dans un cas, avec 278 euros, vous soignez 25 patients. Et dans l'autre cas, avec 900 euros, vous en soignez un. C'est 25 euros, la dose. Ouais. Allez, on continue. Alors, il y a un pays où il ne faut pas trop mentir, voilà les États-Unis. Regardez le montant des amendes. C'est pas la France. Hein. Alors Sanofi, il a joué petit joueur à 109 millions. Ouais. Alors l'avenir maintenant, pour faire du pognon, le préventif, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Vous n'êtes pas malade, mais attendez, méfiez-vous. Hein. Bon, alors dans l'industrie pharmaceutique, les grands patrons, les chefs de service, on les appelle les revendeurs. Voilà. Bon. Alors maintenant, le rôle des politiques. Alors ça, j'en veux à la Sécu, mais j'en veux aussi aux politiques. Parce qu'on fait une loi sur le médicament, et après on fait des décrets pour neutraliser la loi. Et surtout, on sort deux décrets, dont vous avez les références là. Vous voulez savoir si M. le professeur Machin, qui travaille à la Haute Autorité de Santé, a fait une déclaration publique d'intérêt. Alors vous y allez, et puis bonjour, vous allez voir comment ça fait. C'est pas possible. Vous pouvez plus accéder. Ça s'appelle une déclaration publique. Public, interdite au public. Et puis alors, maintenant, la transparence sur les avantages. Moi, j'ai un labo qui va me donner 300 000 euros. Je vais ce qu'on appelle une convention réglée par le Code du commerce. Je ne suis pas obligé de déclarer. Voilà. Ben, je reçois un visiteur médical. Moi, je ne le fais pas, mais je reçois un visiteur médical qui me donne un post-it. Alors ça, il faut que je le déclare. Pas déconner, quand même. Hein. Bon. Et puis alors, je me suis dit, mais pourquoi la Sécu dit rien ? Est-ce que tu sais qui a rédigé ? Les deux décrets ? C'est à qui il en aurait. Ah, intéressant. Tu comprends mieux pourquoi les contrats ne sont pas déclarables, parce que toi, voilà. Tu sers la louche. Hein, bon. Voilà. Alors, si. J'ai une explication pour la Sécu, c'est-à-dire les syndicats qui dirigent la Sécu, mais bon, ce qui est bon. Si on fait 1 milliard de dépenses inutiles, on va créer 23 000 emplois inutiles. Mais imaginez qu'on fasse 1 milliard d'économies. Putain, faut supprimer 23 000 emplois, quoi. Vous croyez qu'il y a des syndicats, ils veulent supprimer les emplois ? Bon, passons. Alors maintenant, évidemment, aux États-Unis, quand il y a des experts qui sont trop proches des agences de régulation, ça, c'est dit, c'est publié, quoi. Alors nous, le seul endroit où les experts ont le droit, l'industrie a le droit officiel de peser sur les décisions politiques, c'est le COPS. Alors, maintenant, il va y avoir toute une liste de techniques pour faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça, moi, je peux vous fabriquer un médicament qui ne sert à rien, et je vais vous expliquer, il est excellent. Alors voilà, vous allez avoir toute une liste de maladies, de techniques. On agit sur les médias, pardonnez, voilà, ça, ce qui est dans les tuyaux, c'est l'autorisation de mise de marché conditionnelle. C'est-à-dire, on n'a pas prouvé que ça marchait, mais permettez-nous de le vendre quand même.
C'est beau ça. La RTU, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Évidemment, on commercialise des médicaments de moins en moins étudiés, évidemment. Et quand il y a des effets indésirables comme l'Oviox, on les planque, évidemment. Bon. Et puis, quand un brevet arrive à échéance, eh ben, on fabrique une copie. Et puis voilà. Alors, il y a une bonne technique aussi, vous allez à l'hôpital, vous le donnez le médicament. Et puis comme ça, les médecins prescrivent. Et quand le malade sort de l'hôpital, en ville, hop, c'est parti. Alors, la grande trouille de l'industrie, c'est les clash action, c'est des action groupes, quoi. Alors, vous avez vu le dernier truc, là, c'est applicable, c'est pas applicable à la bouffe et c'est pas applicable à la santé. Hein. Oui, mais là, revient. Alors, il paraît qu'elle va revenir. J'attends. J'attends. Voilà, oui, oui. Bon. Alors, après tout le bidouillage des essais cliniques qui permettent de prendre des vessies pour des lanternes, là, ça va être très long. Alors, tu peux faire Bon, alors voilà. Alors, reviens un petit peu en arrière. Voilà. Pour moi, le problème, il est là. Alors, on va la suivante. OK. Voilà. Alors, tout ce que je demande... C'est pas compliqué, c'est que nous ayons accès aux informations. Les décisions, d'accord, c'est difficile, j'ai le lobby de ça, et anti ça, et les pros ça, et les machins, et les trucs. On comprend, un homme politique, il est emmerdé toute la journée par des gens qui défendent leurs intérêts particuliers. Très bien. Évidemment, un homme d'État, il pense à la France. Mais on n'en est plus là, pas rêvé. Moi, je suis né sous De Gaulle, c'est une autre conception de l'État. Bon, passons, oublions. Donc, on a affaire à des hommes politiques, voilà. On a plus affaire à des hommes d'État. Donc, je comprends qu'ils aient des difficultés pour la chèvre, le chou, le machin. Là, on a un spécialiste, là, au sommet, là, entre la chèvre et le chou, il est bien. Hein. Mais, entre la chèvre et le chou, à un moment, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des infos. Et puis, nous, on décidera. Parce que le malade, il est en face de moi. Moi, je dois décider quel est l'intérêt du malade. Oui, parce que je vais finir sur l'Orient compliqué, il faut y aller avec des idées simples. Dans le médicament, il faut y aller avec des idées simples. Quand vous avez quelque chose, il faut vous dire... Où est l'intérêt du malade ? C'est tout. À ce moment-là, on décide. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel. Comme d'habitude, tu as été exceptionnel. Donc, on va faire un tout petit peu un changement de programme. On va passer la parole à Jean-Paul Hamon, parce qu'il doit, il doit quitter la salle après. Puis après, donc Jean-Paul, tu peux venir si tu veux. Je vais être plus court que Michel, pour parler avec plaisir à chaque fois. Et je vais commencer par mes conflits d'intérêts. Vous verrez sur le site de l'Ordre des médecins que j'ai touché sans doute 40 euros pour avoir assisté à une soirée qui avait été montée par les laboratoires fabricants Xarelto et Pradaxa. Et donc j'y étais allé, c'était à l'hôpital Percy, et comme il y avait un buffet et que j'ai signé la liste d'émargement en arrivant, donc j'ai dû toucher 40 euros pour gâcher la soirée quand même des laboratoires Pradaxa et Xarelto, parce que ce que vous a dit Michel, effectivement, avec un ASMR 5, ces médicaments ont l'autorisation d'arriver sur le marché, coûtent déjà 6 fois plus cher que les antivitamines K, ils coûtent déjà 300 millions. 6 fois plus cher que les antivitamines K, ils coûtent déjà 300 millions à la collectivité et ils vont coûter certainement 1 milliard puisqu'ils ont obtenu l'indication dans la prévention des accidents vasculaires dans le cadre des fibrillations, dans le cadre des ACFA. Et comme il y a 1 million... Excusez-moi. Donc 1 million de clients potentiels pour l'industrie pharmaceutique pour un médicament ASMR 5. Voilà pour Yanako. Pourquoi j'ai signé cette pétition ? C'est simple. À chaque fois qu'on doit faire le choix entre la prévention, la vraie prévention qui a fait sa preuve, c'est-à-dire le frottis, et l'industrie pharmaceutique, on choisit l'industrie pharmaceutique. 300 millions d'euros par an pour vacciner, pour utiliser un vaccin dont on connaît peu ou pas l'efficacité, ça a largement été discuté, ça va être démontré ici. Et alors que les frottis en France ne sont pratiqués que chez 50% des femmes, 50% de femmes en France n'ont jamais un seul frottis, et que le directeur de la caisse a fait des économies sur la généralisation du frottis en ne le remboursant qu'à 50%. C'est-à-dire qu'il a économisé 30 millions d'euros quand même sur cette affaire-là. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, au lieu de le rembourser à 9, 40 et quelques, il le rembourse à la moitié. Donc,
30 millions, 60 millions d'euros à dépenser pour une généralisation du frottis, faisons une campagne pour la généralisation du frottis, qui est le seul à avoir fait la preuve du recul du cancer du col, et arrêtons de vacciner des jeunes femmes, ça coûte 300 millions d'euros à la clinique. Pourquoi 300 millions? Parce que là, vous avez vu la campagne, il va falloir vacciner les gamins. Et les indications de ce vaccin vont être étendues. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Alors, la Fédération des médecins de France, effectivement, vous la voyez assez peu, on la voit quand même un petit peu quand même dans la presse médicale, qui est largement payée par l'industrie, mais on la voit bien moins que ses petits camarades. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'on dénonce les 300 millions qui sont dépensés en médicaments dans l'Alzheimer qui ne servent à rien. Ce serait bien plus utile pour aider les familles qui en ont bien besoin, aider les aidants. L'Avastin et le Lucentis, on ne vous a pas dit combien ça coûte, mais ça coûte quand même 400 millions d'euros par an à la collectivité, 390 millions exactement. Oui, alors j'ai cité, toi, ce. Donc, Xavier Bertrand le savait un an avant son départ, Marisol Touraine l'a su dès le lundi de la Pentecôte. Et là, avec l'armée de juristes qu'elle a au ministère, ils ont proposé un décret au Conseil d'État seulement là, il y a moins d'un mois, et le Conseil d'État a répondu qu'il fallait réécrire le décret parce qu'il n'était pas tout à fait conforme, etc. 2 ans pour écrire un décret. 400 millions, 2 fois, on fait payer des impôts à des retraités qui n'ont pas un rond, et on dépense 800 millions, on perd 800 millions d'euros sur un médicament dont on connaît l'efficacité. Donc c'est pour ça que la FMF a signé cette pétition, vraiment sans état d'âme, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne rembourse pas les frottis et qu'on rembourse un truc qui coûte 300 millions par an. Voilà. Et je remercie Philippe de son action. Sachez qu'en Italie, depuis le 10 juin, la ministre a mis sur la liste des médicaments remboursables à 100% l'Avastin pour la DNA. Oui, bien sûr. Mais en plus, il y a une anomalie quand même qui est quand même fondamentale, c'est que vous avez de la publicité qui est faite à la radio, à la télé, dans tous les journaux. Vous avez des lignes courbes, vous avez des MLA, etc. Parlez-en à votre médecin, machin et compagnie. Et résultat, c'est le laboratoire qui le fabrique, c'est Novartis qui fabrique ce médicament, qui a de la pub à la télé. Comment on peut autoriser des laboratoires qui fabriquent des médicaments remboursés qu'on me fasse de la pub pour Ménéa ventre plat, d'accord, ça je veux bien, mais qu'on fasse de la pub pour un médicament remboursable et qui coûte aussi cher, c'est ça qui est invraisemblable, si vous voulez. Voilà, bon, alors effectivement, il faut... Pardon ? Oui, ça, celui-là, c'est rien à côté. Bon, j'ai fait court, hein, promis. Hein. Merci beaucoup, c'était le message. Jean-Paul, il fallait que tu sois là, il y a des choses qui devaient être dites. Donc, finalement, de quoi parle-t-on aujourd'hui, pour quand même recentrer un petit peu le débat? C'est le cancer du col de l'utérus. Et donc, Alain Siary, membre de la Société française de thérapeutique du généraliste, va nous rappeler un peu quelques éléments importants en 15 minutes maximum. Hein, oui, c'est des... Voilà, c'est juste des notions sur le cancer de l'utérus. Je voulais dire, je n'ai pas parlé de mes conflits d'intérêts, j'ai aucun rapport avec les industries de santé. Par contre, je suis intervenant dans la formation conventionnelle des médecins généralistes depuis 14 ans pour l'expertise médicale des sujets abordés. Voilà. Alors, quelle place pour le vaccin dans la stratégie de lutte contre le cancer du col et à quel coût? Alors, je voulais vous montrer quelques notions. Vous voyez, les lésions précancéreuses qui sont favorisées par... Qu'est-ce qui favorise les lésions précancéreuses, en fait, chez les femmes, qui sont, pour 70%, en contact au moins une fois dans leur vie avec les HPV à potentiel carcinogène? Eh bien, c'est celles qui n'arrivent pas à les éliminer. C'est-à-dire, ce n'est pas le HPV en lui-même qui est dangereux, c'est le fait de ne pas pouvoir l'éliminer. Et il y a un certain nombre de raisons. La principale, c'est le tabagisme. Il y en a d'autres aussi. Et ce sont les IST et aussi les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Et puis les maladies qui entraînent un déficit immunitaire, comme le VIH, ou les médicaments qu'on peut être amené à donner qui entraînent aussi un déficit immunitaire. Donc, le maximum de lésions précancéreuses, l'âge moyen, c'est 38 ans. Et les cancers, c'est après la cinquantaine, 53, 55 ans. C'est en gros, entre une lésion précancéreuse et le cancer, il s'écoule en moyenne 10 ans. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est l'incidence, l'évolution de l'incidence des,
des cancers du col et de la mortalité par cancer du col entre 80 et 2012. Ça s'est effondré. C'est... Alors, pour dire que ça s'est effondré, on donne en taux standardisé mondial. C'est-à-dire, le TSM pour 100 000 femmes et par an, ça permet d'évacuer le vieillissement de la population qui introduirait un biais. Donc vous voyez, ça a énormément baissé l'incidence et la mortalité bien avant l'introduction du vaccin. C'est en grande partie, mais pas seulement, dû à l'augmentation du frottis. Alors c'est à peu près 60% des femmes qui ont un frottis, il y en a quand même 40% qui n'en ont pas, c'est quand même beaucoup. C'est pour ça qu'il a été décidé de dépistage organisé dans 13 départements pilotes, ce qui représente 13% de la population concernée. Donc on aura les résultats dans quelques temps. Voilà. Alors, et en 80, l'incidence, elle était de 15 pour 100 000 par an, elle est de 6-7. La mortalité, elle était de 5, elle est de 1,8. Donc ça s'est, heureusement, ça a énormément diminué, ce qui correspond à 1100 décès par an. Je vous signale, pour le cancer du sein, c'est 11 000 décès par an. Donc vous voyez la grande campagne qui a été faite pour promouvoir le vaccin sur les abribus, culpabilisant les mères en disant que ce vaccin était quelque chose de très fréquent et très mortel. Il faut quand même ramener les choses à leur juste mesure. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est l'évolution entre 2000 et 2009. Il y a toujours une baisse, mais elle est moins importante. La diminution est moins importante en pourcentage. Alors, la théorie, ben, il y a une exposition au papillomavirus à haut risque. Il y a une infection passagère. La grande majorité des femmes vont l'éliminer. Et puis il y a celles chez qui il va y avoir une persistance, parce qu'elles ne vont pas l'éliminer. Je vous ai expliqué, ça peut être dû à un certain nombre de causes, mais les mieux identifiées, c'est le tabac et les infections sexuellement transmissibles. Et donc, il y a plusieurs degrés. Le CIN1, c'est-à-dire cervical intraépithélial néoplasia, c'est les petites anomalies qui vont régresser dans plus de 90% des cas. On peut dire qu'avant 25 ans, toutes ces anomalies, y compris les plus avancées, régressent spontanément dans 95% des cas. Voilà pourquoi on démarre les frottis vers 25 ans, peut-être aujourd'hui un peu plus tôt, parce que les jeunes filles ont des rapports sexuels plus tôt, mais c'est comme ça. Et puis l'évolution vers le cancer invasif n'est pas inéluctable, et elle va avoir lieu entre un CIN3, ce qu'on appelait avant d'ailleurs des dysplasies de haut grade ou un cancer in situ, ça va mettre 10 ans, voire plus. Alors là, je passe vite là-dessus. Là, c'était la situation dans les autres pays. Vous voyez, les pays qui font du dépistage. Alors la France, finalement, elle a un chiffre en incidence qui est 6,8 pour 100 000, c'est quand même, ça reste parmi les plus bas. Regardez dans les pays de l'Est, regardez en Roumanie, on est à 28,6. Et on pourrait diminuer beaucoup plus. Le pays qui a le taux le plus faible, c'est la Finlande. Eux, ils en sont à 4 pour 100 000 et par an. Alors, je passe là-dessus. Et voyez, là, c'est au Royaume-Uni, quand ils ont généralisé le screening, le dépistage organisé. Vous voyez, la courbe bleu foncé montre tout simplement l'effondrement des cancers du col dans le sens tout à fait contraire de la généralisation du dépistage avec la courbe bleu clair. Donc il y a un niveau de preuve très élevé, ça se retrouve partout. Donc c'est quand même ce qui a fait la preuve de son efficacité. Voilà. Alors ça, je passe vite, c'est des notions techniques. Voilà, alors, on a essayé, à propos de 524 cas, de savoir pourquoi des femmes avaient un cancer de l'utérus. Ben, vous voyez, c'est l'absence de frottis, voire des frottis très anciens, plus de 3 ans. Et finalement, il y en a une toute petite partie, un quart, un peu plus d'un quart, qui avait un frottis normal. Ce sont des faux négatifs. On sait qu'en utilisant maintenant le HPV associé peut-être au frottis, on réduira ces 27%. Voilà. Alors, l'épidémiologie, ben, en fait,
Je vous ai dit que 70% des femmes sexuellement actives sont infectées à un moment de leur existence, mais que ça va disparaître dans la quasi-totalité des cas. Je vais aller plus vite. Voilà, alors, ces 15 virus qui sont un potentiel carcinogène, les deux vaccins Cervarix et Gardasil protègent contre le HPV 16 et le HPV 18, donc contre deux. Alors, ces infections surviennent entre 20 et 29 ans, mais elles sont éliminées, et c'est surtout au moment où la prévalence diminue après 30 ans et surtout après 40 ans que là, on va voir augmenter l'incidence des dysplasies de haut grade, des lésions précancéreuses. Voilà. Alors, c'est quand même une IST la plus fréquente. Le préservatif a joué un rôle probablement dans la diminution de l'incidence des cancers du col, puisqu'il réduit la transmission de 75%. Donc les virus sont diminués chez 90% des femmes en 24 mois. Alors, on avait cette notion que HPV 16 et 18 étaient retrouvés dans 82% des cancers en France. Et on sait que c'est cette persistance qui est le facteur de risque principal. Donc on a dit tout simplement, ben voilà, 70 à 80%, ça veut dire si on vaccine les femmes, on va réduire de 70% les cancers du col. Eh bien, c'est une étude qui avait été financée par les labos qui montrait qu'effectivement, c'était extrêmement très très fréquent. Sauf que le BEH du 20 mai 2014 a publié dans quatre grandes régions, bon, c'est l'Alsace, le centre, l'Auvergne et la région parisienne, les HPV, donc les deux, le 16 et le 18, vous voyez, le 16 est dans les lésions précancéreuses, eh bien, il est important, c'est plus de la moitié. Par contre, le 18 vient très loin derrière, c'est 5,9. Et alors, sur les cancers, ils ont donc eu 50 cancers, en tout, 45 épidermoïdes et 5 adénocarcinomes. Ben, vous voyez, il y avait des cancers où il n'y avait pas de HPV. Le HPV 16 était majoritaire, 27 sur 50. Et le HPV 18, ils l'ont retrouvé nulle part, zéro. Ça, c'est quand même un problème. Ce n'est pas ce qu'on pensait avant. Donc, on est en train de s'interroger sur, effectivement, l'intérêt de la vaccination contre l'HPV 18 pour prévenir les cancers. Tout ça, c'est dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 20 mai 2014. Il est visible en ligne, il est consultable. Tout ce que je dis, c'est... Ça, c'est de la technique de fabrication. Je vais passer très vite. C'est de la technique. Là aussi... Alors, on avait comparé l'efficacité vaccinale contre placebo. Alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, les femmes qui étaient jeunes, bon, alors, ils avaient 98% de réduction des lésions précancéreuses sur ces deux HPV, hein, ça ne prenait pas en compte les autres. Et puis, si on prend tous les HPV, ben, c'est plus que 27%. Et puis, si on fait sur tous les HPV en intention de traiter, c'est-à-dire là, on se rapproche de la réalité, c'est-à-dire il y a des femmes qui n'ont pas fait leurs trois vaccins, il y en a qui n'en ont fait qu'un, deux, donc entre-temps qui ont eu des rapports sexuels, qui ont chopé un HPV à potentiel carcinogène, ça annule l'efficacité du vaccin, ben, la réduction n'est pas de 70% comme ils le disent, elle est de 17%. Alors, c'est quand même beaucoup moins déjà, vous voyez. Alors, il y a une étude canadienne qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a finalement constaté que, bon, entre 15 et 17 ans, on avait une réduction de 35% des lésions de type précancéreux, enfin, possiblement précancéreuses, et après 18 ans, c'était plus de 23%. Bon, on est bien loin de la réduction des 70% qui sont annoncés, et probablement... si l'HPV 18 c'est beaucoup plus rare qu'on le dit, ça sera encore moins. Donc vous voyez comment les labos ont menti tout simplement, ils ont mis en avant des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils publiaient. Bon, là, c'est... Alors, donc, ben, c'est ce qu'on a dit, que finalement l'efficacité en termes de prévention du cancer du col, elle n'est pas encore prouvée, il n'y a pas de protection contre les autres HPV, 30% des cancers, mais peut-être plus maintenant. Les lésions de haut grade est loin des 70% annoncés, elle est autour de 20 à 30% dans le meilleur des cas.
Il y a des doutes sur le rôle majeur du HPV 18 dans la survenue des dysplasies sévères et des carcinomes invasifs. Hein, je vous l'ai montré. C'est plusieurs études qui vont dans ce sens. Incertitude sur l'efficacité au-delà de 5 ans. Risque de sélection d'autres HPV. Et alors, il parle d'une protection croisée avec le HPV 31 qui a été mise en avant. C'est quand même suspect, c'est pas du tout sûr. On ne sait pas ce qu'il en est des risques à long terme des enfants exposés chez une femme enceinte qui a été vaccinée et on ne connaît pas les effets à long terme. Alors voilà, le Haut Conseil de la Santé publique recommande de vacciner les jeunes filles, c'est le plan cancer, hein, de 11 à 14 ans avec rattrapage jusqu'à 20 ans, si des jeunes femmes n'ayant pas eu de rapport. Alors il propose 2 doses à 6 mois d'intervalle avant 14 ans et 3 doses après. Alors, dans Vidal, c'est un peu plus cohérent, parce que Vidal, c'est fait par l'industrie. Eux, ils proposent recommander dès l'âge de 9 ans, vous voyez. Ils gagnent 2 ans par rapport aux recommandations officielles. Alors, le taux de couverture chez les jeunes filles nées en 93, il est 37%. Il tourne autour entre 30 et 39%. Alors, j'ai mis les prix. Une dose de Gardasil, c'est 123,44 €, 2 à 3 doses. Selon l'âge, et Cervarix 111, 52. La différence entre Cervarix et Gardasil, c'est que Gardasil est tétravalent, il protège aussi contre deux HPV, le 6 et le 11, qui ne donnent pas de lésions cancéreuses, mais des condylomes, des verrues. Voilà. Alors là, ce sont des effets indésirables graves évalués à 8 pour 100 000 doses, mais 100 000 doses, ça peut être 2 doses, voire 3 doses faites par les personnes. Donc en fait, ça va de 8 à 100 000 pour 100 000 jeunes filles à 24 pour 100 000 jeunes filles. Vous comprenez bien que si c'est pour 100 000 doses qu'il faut faire 3 doses à la même personne, c'est donc le triple maximum. C'est un maximum. Donc évidemment, ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais c'est très suspect. Et surtout, ce sont des effets indésirables graves, des maladies auto-immunes, des affections du système immunitaire, donc des choses très compliquées, en sachant que le cancer du col, en France, c'est 6,8 pour 100 000 personnes et par an, comme incidence. Vous voyez donc. Le rapport bénéfice-risque n'est pas du tout évident. Alors ça, c'est la Cour des comptes. Moi, je ne sais pas les calculs qu'ils ont faits. C'est un aspect purement économique. Ils ont calculé, c'est anecdotique, que le frottis coûterait 23 000 euros pour sauver une vie et que le vaccin, s'il marche, et qu'on vaccine 80% des filles, ferait 45 000 euros, coûterait plus cher. Donc ils ont dit que la solution du vaccin, c'était une solution, sur le plan purement économique, la plus onéreuse. Pratiquement deux fois plus cher que de généraliser le frottis. Voilà. Qui, évidemment, a un niveau de preuve bien plus élevé que ce vaccin. Donc l'HAS recommandait le dépistage généralisé par frottis avant la commercialisation du vaccin, en raison des incertitudes concernant les effets de ces vaccins à long terme. Eh bien, on n'en a pas tenu compte, vous voyez, la HAS, on n'a pas tenu compte de son avis, et c'est l'intérêt commercial des labos qui a primé, évidemment, comme on l'a montré, sur la santé publique. Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour ton expertise. En attendant que Claudina s'installe, le BEH, c'est ça, hein, beaucoup de références, donc moi je l'ai grisé un peu, certains paragraphes, ce que je ferai, c'est que je le mettrai sur le site, disons, pour la semaine prochaine. Pour pas tout lire parce que c'est très rébarbatif, vous verrez ce qui est grisé, vous allez ouvrir des yeux en vous disant mais c'est pas possible, parce que le BEH c'est vraiment, en gros c'est l'État, hein, le BEH. Deuxième chose, tout PowerPoint a déjà été donné à Célia, qui est donc la séance parlementaire, Madame Rivasi, qui vient d'être diffusée à la presse, à 400 journalistes, tout ce que vous voyez là, et que vous pouvez évidemment récupérer auprès de... En attendant que je le mette sur le site, mais c'est lourd, je ne peux pas l'envoyer, donc faut que je retourne. Donc disons, lundi, vous aurez tout sur le site Médocéan, on en parlera un petit peu après.